I feel like falling in love. I'm in the mood to fuck something up. Tonight I'm fucking something up. I need some drink in my cup. I need a drink. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I'm in the mood to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? I wanna go with nobody. Donc voilà, je viens d'arriver à l'hôtel. Donc là, on a notre petite chambre. Je leur ai mis une petite surprise. C'est des petits carnets. On a chacun le même, tous les trois. J'ai pris le Canada parce qu'après on part au Canada. Mais comme ça on va raconter des petites anecdotes et tout. Donc voilà la chambre. Il va falloir la faire pour 6 jours. Donc là, moi je viens d'arriver. Il est. Bon là maintenant il est 16h presque. Je suis là depuis une bonne heure et demie. J'ai fait le checking et tout. Ils arrivent à minuit. Donc là j'ai un peu de temps tout seul, je vais sortir je pense. Faut que j'aille me chercher un dîner et puis je vais me balader et tout. Je me mets juste à l'abri pour vous raconter quelque chose. Je viens prendre un grand Starbucks. Et en fait mon compte Starbucks de France il marche pas ici. Bah, du coup j'ai parlementé un petit peu avec les dames et tout. Et elles m'ont fait 100%. Du coup j'ai rien payé, elles m'ont fait tout gratuit. La boisson alors que... Parce qu'en fait il y avait une boisson gratuite, vous savez en ce moment il y a ça. Et du coup j'ai rien payé sans rien faire genre. Juste elles m'ont fait gratuit. Je leur ai dit mais I love you, thank you so much et tout machin. Et après j'ai parlé avec le mec d'à côté qui travaillait aussi là. Et on a parlé pendant 10 minutes, je leur ai dit toute ma vie, ce qui se passait et ce que je faisais là et voilà. Et parce qu'il m'a dit que mon sac il était trop beau. J'ai mis la Rimo là. C'est la nouvelle boisson, je sais pas combien de temps. Parce qu'il n'y avait pas Dragon Fruit Mango. Donc j'ai dû prendre là c'est Pineapple et Citron. Donc voilà. Toujours en train de me balader, j'arrive devant le Rockefeller Center. Il est mais haut, pas fort du tout ici. Là je sors de la boutique Nintendo. Je sais pas où c'est maintenant. Là c'était mon but, du coup je runnais vers Nintendo. Vive New York City baby. Bon, je change complètement de cap. Regardez, c'est l'hiver, c'est là où il y a la patinoire. Mais là je sais pas ce que c'est, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis. Je vais me balader dans Central Park. Il se filme mais devant tout le monde. Il a mais pas honte du tout. Ça fait foire. Du coup ça me fait rougir, bah voilà. Par contre, cette boisson, même si je l'ai eu gratuite, j'aime pas. J'aurais dû prendre le fraise, ça açaï là, je sais pas quoi. Parce que de base, je voulais l'hibiscus là comme j'ai dit, mais il y avait pas. Je viens de me poser à Central Park. Et je vais attendre que la Golden Hour elle arrive pour éclairer les buildings. Ça fait foire, la Golden, elle a carrément déserté les lieux en fait, il n'y a plus rien. Late dinners and black sprinters. After show, after party. Orange juice and Bacardi. I'm old enough, I made enough to move to Abu Dhabi. And who could stop me? Yeah. Old friend. Bonjour. C'est la première partie du vlog. Enfin, nous. On est prêt à partir. L'embarquement, c'est à 17h15. On s'hydrate la couenne là. Ici la fille complètement toc toc. Mon bouc. Ici la fille complètement choquée. J'ai l'air qu'on a regardé. Chacun a. Each arrival prior to proceed to the next flight. Thank you for your attention. Foire. Franchement, ça va, ça fait pas froid. I work all night, I work all day to pay the bills I have to. C'est vraiment l'épreuve de Koh-Lanta là.
Avec la skyline, c'est magnifique. C'est le chien de la dame qui est juste là. Ah, le pied, je peux pas. Et qui n'a pas le temps de faire son sport et qui met ses chaussures de sport pour aller courir et une petite lunette de sport pour rester un peu street quand même. Même il a laissé ses alliances et ses bijoux en or 18 carats qu'il a acheté pendant son voyage en Suède. Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, voilà. Ça je pense que c'est nécessaire. Et vous entendez les sirènes, ça, ça fait pas fort. Là on va à Columbia University for this young man to see the campus. Then we are heading to the Guggenheim en traversant Central Park. Donc on va faire un petit musée. Déjà hier on a fait le MoMA, mais là on va faire le Guggenheim. Et ensuite on retourne à Brooklyn voir des friperies pour madame. Ouais. Et voilà quoi. Le meilleur. Et ce soir match de baseball. Pas fort du tout. Non. Coupé en décal. We can't say we didn't live life. Baby, say the word, darling. You know just how to hold the sucker down. So I'll see you in the morning. I can't let you walk out. I never needed you like a on our way to le match. C'est qui contre qui? Le Met contre les Colorado Rockies. On sait pas où on va, on sait pas qui on va voir, mais let's go le Colorado et le Met. On vient d'arriver à nos places, on a pris des petits hot dogs et eux des burgers. On a tous acheté la casquette. Je suis fan et là c'est parti. Thank you.
Nouveau jour. La journée cliché, c'est today. Today is a new day. Là, on sort du Stardust Dinner où on a breakfasté. Là, on va juste traverser Times Square pour aller à Grand Central pour monsieur parce qu'il a rendez-vous chez Apple. Je suis pas une meuf des années 2000 là. Elle est mes vintage, so adorable. And library is where they're all organized. Gift pour maman, pour maman, pour papa, pour papy, kitsch. Ils sont mais insociables, donc moi du coup pas je. Attends, je m'en... Et pour moi, un petit beer trop mignon. Il est trop mignon. Il s'appelle Beer. C'est l'année. Mais birin, pas de bière, hein. Birin l'ours. Hein. Moi, j'ai acheté des petits verres à shot. One mais ça, on pourra en faire. Comme ça, j'en ai pris trois parce que. Bah, toi, tu prends lequel? Et parce moi, que c'était... moi, j'hésite. Moi, bah, je prends le pink. Et deux petites cartes postales qu'il faut qu'on écrive et qu'on envoie. Mais ça, c'est trop mignon. À mon avis, toi, tu vas prendre lui. Moi, c'est lui, quoi. C'est tout. Finalement. Bah, toi, ça, c'était prévu. Finalement, par contre, pour le coup, c'est très, très rose, quoi, finalement. Ce soir, on est dans Little Italy. On vient de traverser Chinatown. Bon, j'ai pas filmé, mais on était vraiment bref. Là, c'est Little Italy. Donc, il y a plein de petits restaurants italiens. C'est trop mignon. Et on est face à l'Empire State Building de l'autre côté. C'est gorgeous. Et du coup, on va chercher une petite pizzeria ou pâte ou je sais pas quoi. Regardez mon assiette. Aujourd'hui, direction... Il fait trop chaud dans le métro, c'est insupportable. Là, on va au magasin Harry Potter. Et après, on fait Soho et... C'est insupportable. Et Chelsea, voilà. Super. Ravenclaw. Posé à Washington Square Garden, là où il y a plein de scènes de films et tout. On va aller voir l'immeuble de Friends et après on va danser au. J'ai pris des petites couleurs moi, non? Regardez mon petit jaune rouge. I'll be there for you.
Yeah. Yeah. Là, on vient de faire une heure de subway et pour aller à Coney Island. Ça fait pas sport du tout. Let's go, comme il dit. La petite dame, qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle fait ses vidéos. Hey! Feeling young, but they treat me like the OG. And they want the tea on me, I swear these bitches nosy. Said he put some money on go, my head, I guess we ça, don't en fait. I won't put no money. Non mais là, on vient de faire juste ça là. La foire entière, le nombre de looping. On était mais plaqués au sol. Regardez juste la gueule du truc. Parfois, on montait à l'endroit comme ça, tu peux pas. It's just annoying me, and I'm too about it. And the dirt that they threw on my name turned to soil, and I grew about it. Time for y'all to figure out what y'all gonna do about it. Big wheels keep rolling, rolling. I'm outside 29. Bon, vu que je suis le roi de la couillette, il nous reste que 6x3. On est obligé de faire ce petit truc. Non, mais alors là, grosse fois, on a fait la petite attraction toute pourrie. Parce que il nous restait des crédits. Et en fait, on voulait filmer avec nos téléphones. La dame, pendant qu'on était en train de s'installer, elle nous prend nos téléphones avec Romain. Non mais voilà. Donc il y avait encore l'hôtel de Louise. L'attraction démarre. Elle l'avait mais caché. Et du coup, je prends son téléphone pour filmer. Et là, on descend de l'attraction. Enfin, c'est fini. Next time I see your phone, I'm gonna stop the attraction right away. Et nous? Oui. D'accord. Terminé mes lunettes. Elle a fait l'autruche finalement. Merci à vous. Là, on se with a hair high and a back straight. I don't think you feeling me. I'm out here being everything they said I wouldn't be or couldn't be. I don't know what happened to them guys that said they would be. I said see you at the top and they misunderstood me. Obligé de descendre 21 étages parce que l'ascenseur ne vient pas. Ils ont mis zéro budget dans la cage des. Ah ouais, ça fait vraiment très très froid. Non. Shake Shack baby. Alors, on sort de la boutique de bonbons. On a acheté un truc chacun. Et là, il y a un truc beau, si vous voulez voir. À mon avis, ça doit être bien chiant. Les gens, ils sont tous agglutinés en bas, mais personne monte. Vas-y. Donc là, on part. Oh, les poubelles. On part pour notre dernière soirée. On a un petit rooftop. Faut qu'on se dépêche parce que là, on est en retard. Il a chaud en train de se suivre. Ah, fort. En fait, là, on vient juste de se rendre compte que ça, c'est l'hôtel et la terrasse et les néons de l'hôtel de Chuck dans Gossip Girl. Qui l'aurait dit? Sûrement pas moi. C'est mais le dernier soir, on va manger là tranquille. On a acheté des trucs pour demain parce qu'on prend le bus à 8h30 et on arrive à Montréal à 18h... 18h et quelques.